par le casque. Voilà, ça sera un petit peu mieux. La manette est penchée. Voilà, tout le son. Je vais peut-être baisser un peu le son juste dans le casque. Et c'est parti. On va virer un peu la souris de l'écran parce que de toute façon, je joue à la manette. Et on est parti. Alors, oui, là, fallait que je quitte le musée pour aller. Je sais même plus. Pour vous dire, je sais même plus. Alors, par contre, je ne vois pas du tout. Ah oui, je passe pas sur l'écran du jeu, ça va pas le faire. Alors, voilà, donc l'écran du jeu est mis, c'est parfait. Alors là, comme j'ai dit, je devais quitter le musée. Mais je ne sais plus par où je devais passer. Enfin, je ne sais plus pour aller où. Ah oui, c'est pour retourner à l'église, hein, je crois. Je dis pas de conneries. Et on va refoutre le chat. Hein, que là, je vois pas le chat non plus. Par en dessous, et voilà. Maintenant, tout est prêt. On peut pas, on peut y aller. Je sais plus exactement c'est par où qu'il fallait. Allez. Ah oui, là il y avait des spectres. Oui, c'est vrai. Maintenez. Est-ce que je peux m'enfuir par là-bas? Oui, donc c'est bon, le stream est bien lancé. Okay. Je prends les flipper là. Merci pour l'RT, les amis. Bon. Et salut Gmite, j'espère que tu vas bien. Et oui, ça va, ça va. Où est-ce qu'on en était? Oui, donc j'ai pas continué. Hein. Donc je devais quitter le musée en fait. Je sais plus où je devais aller. Je crois même que c'était de retourner à l'église. De toute façon, je devais quitter ce passage-là. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de spectres. Il y a pas mal de. Non, je crois que j'ai eu des drops. Je peux pas trop en plus là essayer d'aller prendre l'autre dans le dos étant donné que l'autre il me regarde. Ah, ils peuvent pas me suivre. Ah, je les ai bien eus, je les ai bien brain. Lorsque les démons perdent votre tasse, ils se mettent à inspecter les cachettes. De toute façon, là, c'est mort. Je les ai bien eus. Je les ai bien eus. Je viens de recevoir un message. Il s'est encore passé quelque chose d'horrible. Qu'est-ce qu'il disait là? Oui, moi, j'ai entendu parler d'un meurtre. Il y a encore eu un meurtre? Non, ça vient juste d'arriver. La police. Il faut que je me barre. Il faut que je me barre rapidement. Alors, c'est pas par ici la sortie. Ah non, c'est carrément de l'autre côté, à l'opposé. Voilà, c'est par là.
ce qu'il a dit? Quelque chose d'affreux s'est produit à Saint-Bénédicte. Je ne pouvais pas sortir. Le feu était partout. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Ah merde, c'est à l'église. C'est à l'église qu'il y a eu un truc, là. Apparemment. Alors le son du jeu sort carrément des haut-parleurs alors qu'ils sont censés sortir du casque. C'est quoi ce délire? Ça c'est pas normal. Alors pourquoi tu sors par là-bas, tu vois? On va regarder ça vite fait. Oh non, c'était juste la cinématique en fait. C'était juste la cinématique qui est mal ressortie. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, on a quitté le musée. Pour aller où? Ah oui, l'église. Apparemment, il y a eu un meurtre. Alors. Oui, non, ok. Je suis en train de me dire, mais où est-ce que je vais là? Mais. Oui. Tac-tac. Et ensuite. C'est par là. C'est pas un truc à... Non, c'est pas un truc à choper ici. On y arrive, on y arrive. En plus, il y a des petits trucs à récupérer en passant. Merde. Voilà, en plus, il y a des petits succès. Comme ça. De toute façon, j'aurais probablement rien à 100%, mais c'est pas grave. Je suis pas un grand chasseur de succès en général. Ça me gave assez vite. De ramasser tous ces petits trucs là, je le fais parce que là je passe devant, mais sinon. Sinon, non. Alors là, par contre, je peux pas passer par ici parce qu'il y a du bleu. Est-ce que je peux passer à l'intérieur non plus? Est-ce que je peux passer par l'autre côté? Je ne pense pas. Il va falloir que je trouve le moyen de passer. Ça m'avance pas plus. Ça m'avance vraiment pas plus pour le moment. Tourner alors. On peut probablement contourner tout ça. En fait, toutes les cinématiques, elles se lancent directement en dehors, dans le micro. C'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Bah tiens, j'ai fini les réflexions de Rex. Ce sera probablement le seul truc que je finirai. N'importe quoi. Et l'église est dans le coin. Voilà, avec la caméra qui refait des... Parfois, elle fait des petits trucs comme ça, la caméra, c'est pas top top. Il faut encore que je fasse le tour. Il y a des trucs partout ici. Oh. Je tourne les yeux, je vois un truc à récupérer quoi. Par contre, ça me donne pas plus d'emplacement pour me donner la direction de là où je dois aller. Pas des portes ouvertes et les rues sont fermées. Ah.
Finalement, on va dire que les rues sont assez balisées, en fait. Il n'y a pas vraiment de liberté dans le fait dans l'exploration. Tout est fermé. Il n'y a pas vraiment de liberté. Enfin, il n'y a aucune liberté, en fait. Il y a un chemin qui est choisi et basta, quoi. Puis pareil, il y a des ombres partout pour lesquelles on peut se cacher, mais t'as pas forcément des spectres partout. Alors c'est un petit peu... C'est un petit peu nul. Allez, on y est presque. Bon bah vous aurez pas trop le son du coup dans les cinématiques, dommage pour en tout cas dans cette partie-là. Hormis que ça se capte par mon micro parce que ça sera en face directement de l'écran, c'est dommage. Ah vas-y mon grand maintenant, c'est à ton tour. Ouais, ok. Je Iris sont à l'église, je dois m'assurer qu'ils vont bien. Se rendre à l'église. La police ignore où se trouve Baxter. Ok. Oh my god. Il y en a trois en plus. Ah, en plus, je suis obligé de passer par là parce que je peux pas passer par en haut. Je ne peux pas. Bon, ça va, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en haut. J'espère qu'on peut me capter d'en haut. Et maintenant, je peux me TP de l'autre côté. Donc je peux avoir ce succès. Qui ne me sert à rien parce que je ne peux pas avancer. Ah ah. Retournez-vous les gars. Une fois qu'il se retourne, moi je descends. Putain, maintenant faut que je trouve le père, quoi. Ils ont mis deux! Oh là là, comment je fais? Comment je fais? Y a rien par là. Est-ce que je peux l'attirer? Hey, hey! Prends le coup de main. Rien n'est sacré pour ce type. Et là, retourne de l'autre côté, mon coco. Retourne à ton poste. Voilà.
On ne sait même pas qui a été tué en fait. Ah merde! Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Iris est-elle mort exactement? On ne sait pas trop. Ah non, elle a été abattue? Ah oui, il y a la marque du crieur des morts. L'espèce de cloche là. Attends, mais. Ah oui, c'est ce qu'on avait vu aussi lorsqu'on était dans le musée là. La torture avec les gens qui étaient fermés, enfin qui étaient ensevelis sous les pierres. On avait vu ça hier. Ah bordel. Bon, il est peut-être un peu costaud celui-là. Pour pousser une statue de pierre comme ça à main nue, il en faut beaucoup. Bon, moi je pense que j'aurais pris une pierre comme ça, je pense que j'aurais été complètement écrabouillé avec les boyaux de partout. Ça aurait été n'importe quoi. Un vrai carnage. Mais c'était un peu violent quand même. La scène du crime. Iris a été tuée par le crieur des morts, mais comment l'a-t-il trouvée? Retrouver la piste du tueur à l'étage. Alors là, est-ce que je vais pouvoir monter direct? Ah, je peux pas passer par là. Est-ce qu'il y a d'autres portes? C'est fermé, je peux pas passer. Donc là, j'ai été obligé de passer par un autre endroit par rapport à. Au début, je sais pas si t'avais vu le premier, c'était dans le premier stream. J'étais déjà venu ici, alors c'était peut-être dans le dernier, je sais plus exactement. Justement, j'avais dû prendre le chat pour passer par des conduits, faire tout le tour en escaladant par ici pour arriver à l'étage justement. Donc là, je vais devoir prendre un autre chemin parce que je ne peux pas passer par les portes justement. Je vais trouver une autre issue. Donc en passant par ici. Ah bah si. Sauf que j'avais pas pu monter, j'étais obligé de passer voilà par les. Non, bah attendez. Qu'est-ce que je raconte là? Ah si voilà, donc là il y a un conduit en fait, donc dans l'autre salle, qui est juste en face là. Si je peux y aller, voilà. Il y avait le conduit, j'étais passé avec un chat ici. J'ai pris le contrôle d'un chat, j'ai pu passer par ici tranquillement. Et je ne pouvais pas monter dans les escaliers là, parce qu'il y avait une espèce de. Tu sais, des espèces de flaques. Enfin. Voilà, des espèces de trucs rouges là. Qui me bloquent le passage, donc là c'était enlevé. Pour le coup. C'est l'œuvre d'un vrai monstre. Ah oui! C'était pas la seule, il y en a eu pas mal. Oh merde! Qu'est-ce que je peux retrouver? Est-ce que je peux retrouver la piste de mon assassin ici? Donc là, il y en a 8. Que fait Iris? Besoin d'aide. Effrayé. Elle tombe là. Iris a traversé un groupe de personnes en fuyant quelqu'un ou quelque chose. Ok. Tordu.
La victime. Alors, elle est peut-être pas pliée en deux là. Hein. Il n'avait pas l'ombre d'une chance. Aucune chance, mais elle non plus. Il n'est pas allé de main morte. Ça, c'est sûr. Madame, vous m'entendez? Vous ne dites plus rien. Comment lui faire parler? Je vais peut-être récupérer d'autres preuves avant d'essayer de la faire parler. Je sais que ça, non. Et avec ça, non. Bon, c'est des fourchettes. Qu'est-ce que ce sont en bas des steaks? Maîtriser. Victime projetée. Pourquoi s'en prendre à tous ces gens? C'est ça. Des corps partout. Et bonsoir Fagwent, je te vois bien dans la liste des viewers. Je remets que t'étais déjà là hier et dans le premier stream, je sais plus du tout exactement. Enfin bref, bonsoir à toi. N'hésite pas à te présenter un petit peu sur le chat. Ou à l'utiliser en tout cas, comme tu veux. Suggérer. Alors, comment lui faire réfléchir au mobile du tueur? Donc il y a 4 corps. Et à la fuite d'Iris. On va tester déjà avec ça. C'était la bonne réponse. Cette fille s'enfuyait. C'était elle qu'il voulait. C'était pas nous. Tous les corps là, c'est un peu des victimes collatérales en fait. Massacre. Les témoins affirment que le meurtrier poursuivait Iris et qu'il les a tués parce qu'il lui barrait la route. Ouais, j'ai pas eu tous les indices là. Alors là, je pourrais déjà terminer l'indice sans avoir tout découvert. Pour une fois. Ah bah tiens. Chemin de fuite. Les empreintes. Est-ce que je vais en trouver d'autres? Et si je sors? Ah merde, ouais. Je sors de l'enquête. On va la terminer là. Aïe! Ah oui, elle a dû se péter une jambe. Oh, c'est horrible. Non, 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 ces meurtres ne suivent pas le mode opératoire du crieur. Ils se sont interposés, c'est tout. Sa cible, c'était Iris. Peut-être que je trouverai plus d'indices dans la chambre de Joy. Là, faut que je monte encore à l'étage. Avant de monter, on va quand même fouiller un petit peu l'étage. J'aurai peut-être pas l'occasion d'y revenir. Histoire de voir s'il n'y a pas des succès ou des trucs qui s'y cachent. Jamais trouver un petit truc dans les toilettes. On va plus facilement trouver des grosses commissions que des succès. Mais bon, on peut toujours espérer. Alors, non, pas grand chose, on va pouvoir monter. Ah merde, même le père il est assassiné. Oh non. Le prêtre plutôt. Comment je vais apprendre ça, Joy? Que faisait le tueur ici? Là, 5 indices. Mais les lunettes glacées sur le coup, il n'avait aucune chance. Mmh.
tomber sur la petite terrasse. C'est ça. Il est mort en essayant de protéger Iris. Pas sûr que ce soit d'un grand réconfort pour Joy. Bordel. Alors là, j'ai combien d'indices à trouver ? 5. Enfin, encore 4. Faut faire gaffe que des fois, juste en étant incliné avec la caméra, l'apparition d'un indice peut apparaître ou pas. Enfin, les indices peuvent apparaître ou disparaître comme ça par magie. Du coup, on sait pas trop quoi. Ah, tiens, là, on sait. Que fait le tueur ? Forcément. Je sais pas trop ce qu'il a fait. J'ai pas bien vu. Ok, là j'ai vu. Qui a-t-il par ici? Ah, le chat. Il a peut-être vu quelque chose. Et il me reste encore deux indices. Allons dans la salle d'à côté. Bon, déjà j'ai un petit succès là. Ah, il m'en reste plus qu'un. Est-ce que je vais le découvrir un jour ou pas? Je suis plus dans l'enquête là. Il me manque des indices que je n'ai pas encore pu découvrir. Oh, il est. Et pareil, si je sors là. Ah, voilà, je ne suis plus dans. Get. Ok. Faisait les tueurs ici. Meurtrier interrompu. Décès du frère McConnell. Vestige de façonnement. À mon avis, il était là pour Iris, là. Je pense qu'il y a ça. On faisait partie. Ouais. Après, pour le reste, je suis pas encore sûr tant que j'aurai pas les deux autres indices, quoi. Tiens. Une photo de Joy et sa mère, le cadre s'est brisé en tombant à terre. Ok, et il m'en reste plus qu'un. Passer par ici. Là, je ne suis plus dans l'enquête là. Je peux me trouver quand même. Ah, je sais pas ce que c'est là. À mon avis, le père il est pour un, c'est qu'un dommage collatéral. Et le chat, honnêtement, je pense qu'on s'en bat un peu les couilles. Il y a quelque chose là, non? Je crois qu'il y avait un truc qui avait brillé en rouge. Mais non. On va tester. Ah bah si, c'était ça. Je doute qu'elle soit la colocataire idéale, étant donné son caractère. Mais la chambre d'opéra, et vous finirez bien par
m'entends bien avec tout le monde. C'est très bien. Voici la chambre. Madison. Mon père, qu'y a-t-il? Attends, attends. Wesh! Le tueur est venu ici pour Joy, mais il a finalement assassiné Iris. Et les indices s'arrêtent là. Alors où est Baxter? S'il n'est pas ici, il va devoir s'expliquer. Et toi alors? T'as vu quelque chose? Hmm? Où est tout le sang? Oui, il est parti où là? Ah, il est là. Il est là. Doucement, Minou. Doucement, c'est ton vieil ami Ronan. Qu'est-ce que c'était ce truc? Le tueur a fait tomber quelque chose dans ce conduit. Peut-être que le chat pourrait m'aider à l'atteindre. Merci pour le coup de main. C'est la planque du tueur. Il faut que j'aille à la maison du jugement. Voilà, on avance, hein, finalement. Oh bordel, ça c'est des spectres. Le cœur des morts se trouve sûrement à la maison du jugement. Retrouvez Joy pour lui faire part de vos découvertes. Même dans d'autres indices, là j'ai tout fait là. Je vais me faire avoir. Non, il n'y a rien. Il faut que je passe par en bas et que je le défonce. Je l'ai bien eu! On va mettre juste derrière lui, pile au bon moment. Bon, les autres, c'est dans l'église qu'ils sont. Ok. Par contre, pour sortir là, c'est pas la même. Est-ce que des portes ont été ouvertes de l'autre côté? Non. Non plus. Ça marche de loin. Normalement, ça marche pas d'aussi loin le poltergeist. Hein. C'est de l'arnaque. Là. Ça marche pas comme ça normalement. Là. Il y a un souci là. Ils nous ont trompé sur la marchandise. Là. Attention. Hein.
On nous prend pour des cons, les gens. Ah, je suis bien Brain. Fais ton truc de fantôme et tire-moi de là. Allez. À qui tu parles? C'est pas en plaidant la folie que tu expliqueras les entrées par effraction ou ta fuite du poste. Alors arrête ça avec moi, c'est clair? T'as quelque chose à ajouter? Non? Je m'en doutais. On verra ce qu'on fait de toi quand tu seras au poste. On commence à mettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. C'est rendre la maison du jugement. Rex emmène Joy en garde à vue. Je sais que c'est difficile de perdre sa liberté, mais ça vaut mieux que de perdre la vie. Allez, on y va. D'accord, on a pu être très très loin là. J'ai entendu dire que cet endroit était un musée assez réputé il y a longtemps. Mais maintenant, il n'abrite plus que des rumeurs et des vieux clous rouillés. Le genre d'endroit où vous n'enverriez même pas votre pire. Ouais, c'est ce qu'il avait vu. Et là, nous y voilà, la maison du jugement. Cet endroit n'a pas l'air si abandonné que ça. Baxter. Je déteste avoir raison. Probablement lui, le crieur des morts. Le petit enfoiré. Bah maintenant, je peux plus me barrer. Ah, si je peux me barrer, mais.
Il vaut mieux pas. Ah merde. Tu retourneras à la poussière. C'était un bug, hein. Du coup, je suis traversé les planches, mais c'était un petit bug. Parce que j'aurais pas dû. J'aurais dû les traverser de suite, quoi. Bon, je ne vois pas de spectre par ici. Et j'ai même failli passer devant ça sans le voir. J'espère qu'il a pas écrit ça avec du sang. Je sais pas trop ce qu'il écrit, mais c'est pas grave. C'est un peu glauque tout ça. Hein. On arrive au bout. Il y a des salles que je n'ai pas encore visitées. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose en fait. Ici où il y avait de la lumière. Ce poème parle de Joy. On dirait le QG du crieur des morts. Je devrais le fouiller à fond. Examinez cette pièce à la recherche d'infos sur le crieur des morts. Donc il me faut encore 5 indices là. J'étais possédé par le diable. Le maire Studer nie toute responsabilité après avoir été condamné pour une série de meurtres infâmes. Un vieux journal de Salem. Je vais pouvoir passer derrière aussi après. Passer meurtrier. C'est une carte du lieu des meurtres bien plus détaillée que celle de la police. On dirait une collection de trophées pris sur les victimes du crieur des morts. Les méthodes des meurtres. Victimes et méthodes. Ce sont les méthodes utilisées par le meurtrier lors des meurtres et ses victimes. Je n'arrive pas à décider s'il est content, cohérent ou schizophrène. Découverte d'une troisième victime de pendaison. Une série d'étranges meurtres par pendaison nous replonge dans le passé sordide de Salem. Attends. Des meurtres similaires. Plusieurs meurtriers. Séparés par des décennies. Est-ce que ce sont des imitateurs ou un complot? Qu'est-ce que t'as caché d'autre ici, pourriture? C'était quoi ça? Ah, je vous ai grillé, bande de saligots.
faire avoir. J'ai attendu un peu trop avant d'y aller, j'aurais dû aller direct. Je devrais prendre l'autre peut-être, pendant que l'autre il se barre. Il est vers moi ou quoi? Ouais. Faut que je fasse attention. Et il faut que je me fasse les deux là, que je serai tranquille. Va revenir. Ah, je vais me jeter dans sa gueule. Finalement, je l'ai eu. J'ai eu les deux. Ouh. Ok, bon, c'est là où j'étais. Je regardais un petit peu du coup les pièces où j'étais, s'il y a des trucs à regarder. Pas grand chose, c'est juste le petit couloir avec une petite lumière. Je sais même plus où je suis là. Voilà, ici. Il faut me perdre. Par là je vais remonter mais je ne veux pas. On était sur la ligne à 4, c'est un petit peu chaud là. Un petit peu chaud.
Là, il faut que je les esquive. Là, c'est pas, là, c'est balèze. Hein. Ça va être un peu balèze. Là, ouais. Ah bordel! Vas-y, bordel! C'était un petit peu épique. J'en ai eu un. Ouh là là, c'est chaud, c'est chaud. J'y vais doucement. Allez, il veut pas y aller. Oh bordel de merde. Allez, cache-toi, cache-toi. Enfin. Non, c'est pas vrai, Baxter. J'aurais dû t'arrêter à temps. Tu t'es fait buter. C'est pas Baxter, c'est qui? Ronan? Qu'est-ce qui se passe ici? Espèce de taré.
Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi avoir relancé la chasse aux sorcières et tué toutes ces innocentes? Tu crois que c'est moi, le tueur? T'as perdu la tête? J'ai tué personne! Il faut que tu m'aides. Où est-ce qu'on est? Il faut qu'on sorte d'ici. Il faut qu'on sorte d'ici. Depuis quand on est potes tous les deux? Pas question, dis-moi ce qui se passe ici. J'ai touché un point sensible. Quand je lui ai dit qu'il connaîtrait bientôt la mort, il a dit « Je la connais déjà. » Et quelque chose d'un instrument de mort qui servira à nouveau cette nuit. Son instrument de mort est d'une manière différente à chaque fois, je ne sais pas. Non, moi non plus. On doit découvrir ce que ça signifie. Je suis fait une piste. Je n'ai jamais abandonné. Cette voyante, Cassandra, qui travaillait avec moi. Ensemble, on avait compris que le crieur des morts s'en prend au médium, comme un imitateur lancé dans une chasse aux sorcières. On ne pouvait pas laisser tomber, même quand Rex m'aurait trop tardé. Voilà pourquoi t'étais au musée. C'est où est Cassandra? Elle est encore vivante? Aux dernières nouvelles, oui. Elle est dans une planque à l'extérieur de la ville. J'y crois pas, elle est vivante. Je t'ai résigné à la retrouver morte. Joy va être folle de joie. Quelqu'un doit veiller sur elle. Cassandra t'a parlé sur une Joy? Ouais, elle n'arrêtait pas. On l'a cherchée pendant des jours, mais c'était trop risqué. Cassandra m'a supplié de retrouver sa fille, mais jusqu'ici j'ai joué. Tu vas pas me croire. Joy m'a aidé cette nuit. C'est aussi qu'un flic dans ton genre aurait besoin d'aide. Ah, comme toi, quand t'as reçu l'aide de sa mère. Toi, tu l'as retrouvée, Cassandra. Assure-toi qu'elle va bien et ramène-la au poste. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais fouiller cet endroit rapidement et trouver un plan. J'espère. Putain, c'est n'importe quoi. Je pensais que c'était vraiment lui le meurtrier, quoi. Découvrir si le tueur se trouve encore dans la maison du jugement. Fouiller la cave pour retrouver la piste du meurtrier. Ok. Moi qui pensais qu'on était tout proche de la fin du jeu. Finalement ça a duré un peu plus longtemps que je pensais. Peur d'avoir grand chose par ici, alors on va suivre la porte. L'homme en colère accuse sévèrement impressionné dans ses fils et déclare que l'heure de la punition a sonné. Oh là là. Une prison dans une prison. Quel besoin de mettre quelqu'un en cage s'il est déjà prisonnier d'une cellule? Des fois la caméra c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'Abigail fabriquait ici? Prisonnière. Ceci est injuste.
Abigail était prisonnière ici et se considérait comme la victime d'une injustice. Qui a dessiné ceci? Lumière éteinte. Elle ne devait pas être d'une grande efficacité dans ces ténèbres. Il me reste encore deux indices à trouver. Enfin, trouver, oui. Pas de répit pour les méchants. Vrai à dire que je me promenais du lit que j'avais en prison. Il me restait un. Trouver la réponse. Que s'est-il passé ici? Ben voilà. Mais tu te sais coupable. Tu recevras le châtiment que tu mérites. Je vous prenais pour le garant de la justice. Ceci est injuste. La cour n'est pas un moyen de mettre en œuvre une folie meurtrière. Ce soir, Michael, les familles des âmes innocentes, condamnées à la suite de tes fausses accusations, se verront accorder une juste réparation. Fausses accusations? Quelles sont ces inepties? J'imprimerai cette marque au fer rouge dans la chambre de Cécile. La tisse doit me prendre les deux moutons. Je ferai moi-même exécuter chacune des sorcières de Salem. Que je sorte d'ici et que j'arrive à la retrouver. Ben voilà. Clément on pourra dire qu'on n'aura pas chômé. Centrale, est-ce que Rex est revenu? Il était en route pour le poste avec un suspect et on n'arrive pas à le joindre sur sa radio. Son portable répond pas non plus. Non, il est pas revenu. Dès qu'on le voit. Bien reçu. Merde. Merde, si Rex ne répond pas, c'est qu'elle doit être en danger. Où est-ce que t'as emmené Joy, enfoiré? Celui de sa propre mort, le lieu de son exécution. La potence exposée au musée. Tiens bon, gamine, j'arrive. Allez, go! Sortie. Est-ce que je peux sortir par là? Ah, je sais même plus où est la sortie, moi. Alors, est-ce qu'on a plusieurs sorties dans cette maison là? Parce que du coup, là, je sais plus du tout où je suis. Est-ce qu'il va falloir que je retourne partout là ou que. Ou est-ce que j'ai quand même une sortie en avant? Enfin, en avant. Ah, tiens.
Et la direction le musée. On approche de la fin, ça le sent. On est de voir qui est le tueur. C'est le fantôme d'Abigail, elle a dû contrôler quelqu'un pour ça. Qui ? On ne sait pas encore. C'est peut-être même pas super important en plus. La confrontation finale. Donc à mon avis là on est vraiment dans la dernière scène du jeu. Ce qu'on va faire c'est que je vais aller remplir ma petite bouteille et je reviens. Ne quittez pas. Et me voici de retour pour terminer le jeu, et non pas pour vous jouer un mauvais tour, même si j'en ai envie. Alors, que je me mette bien dans le siège, là. Hop. Oh. Voilà, on est bien. Profitez de la dernière partie du jeu. Oula, vision d'horreur. Allez au musée. Ok, donc là faut faire attention. Oh putain, c'était Rex! Non, pas toi, Rex. Ça n'a rien à voir avec elle, Abigail. Oh si, elle le mérite. Pendant 300 ans, je me suis chargé d'exécuter les sorcières qui soutenaient notre glorieuse ville. Allons-y. Celles qui cherchaient à dissimuler leur contrat démoniaque et manipulaient les pouvoirs rêves. Exactement comme toi. Ne me comparez pas à elle! Abigail, arrête!
Qu'est-ce que tu fabriques? Pas maintenant. C'était toi depuis une minute. Je ne voulais pas que tu découvres la vérité. Ronan, fais quelque chose! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'espère qu'on n'a pas une mission timée. Ah, bordel! Oh, je suis trop fort. C'est terminé, Abigail. Ah merde! J'ai 6 secondes pour trouver quoi! C'est un petit peu n'importe quoi cette scène finale. C'était hurlement puissant. Pas comment je vais trouver, je sais pas du tout. Ah par contre oui, je viens de me rendre compte que j'ai plus le chat ni rien là. Et salut Brian, je viens juste de voir que t'arrives, puis t'arrives pile pour la fin du jeu quoi. Mais là je vais me faire encore déboîter là. Mais non, elle a pas assez de boobs, regardez, elle est toute plate, elle a rien du tout là, c'est nul. Par contre, en 6 secondes, trouver... Je peux pas le posséder. Mais merde! Je vais galérer si j'ai 6 secondes pour réagir, quoi. C'est n'importe quoi. C'est ça, j'ai passé... Attends, ça fait 4... ça fait à peu près 4-5 heures de jeu, là, même pas. Et je vais passer 3 heures sur la dernière scène du jeu, quoi. Je sens. C'est terminé, Abigail. Mais si je prends. Non, je peux pas prendre de contrôle de Rex là. Oulala, oulala, oulala. Ça change rien. Ça change rien. Je peux pas la choisir, elle. Thank you.
C'était ça. C'était ça. Ok. Le moment est venu, Abigail Williams. En train de revivre sa mort. Ça, c'était la première scène du jeu, ça, là où il est mort. Je connais la vérité sur ta mort, mais je ne sais encore rien sur la mienne. J'ai servi de Rex pour m'éliminer. Rex était mon tueur le plus influent, le plus respecté, le plus craint de tous les puissants de la ville. Oui, je me suis servi. Baxter. Pourquoi as-tu tué Baxter? Je finis toujours par éliminer ce dont je me sers. En particulier, ceux qui sont sur le point de tout découvrir. T'es la tête de sadique qu'elle fait. Ah, c'était l'un des tueurs. C'était l'un des tueurs. N'importe quoi, cette fin. Elle est épée. N'importe quoi. Mais non. Chance. Cette part peut demeurer secrète. Pour la loi, Rex était un tueur. Mais la loi ne l'a jamais découvert. Joy le savait. Mais elle n'est pas du genre à le dénoncer. Elle l'aiderait plutôt à effacer ses traces. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut beaucoup plus que moi à son âge. Cette gamine mérite l'absolution. On lui doit bien ça. Et même le plus dur des flics peut fermer les yeux sur quelques délits mineurs commis par une ado à la recherche de sa mère. Maman ? Le crieur des morts n'a plus dû
tué depuis le jour de la disparition d'Abigail. L'affaire n'a jamais été close. Les souvenirs s'estompent. Le temps passe. Avec de la chance, Salem finira par trouver la paix. Mon père disait toujours, la mort efface les bêtes. Et pendant un temps, j'y ai cru aussi. Mais à vrai dire, on ne peut quitter cette vie qu'en assumant ses responsabilités. En étant honnête, en remboursant ses dettes. Et alors enfin, on peut partir. C'est clair. C'est normal que t'as rien compris. C'est normal que t'as rien compris. Mais moi j'ai fait tout le jeu en live. Donc il y aura la rediffusion sur YouTube. De toute façon les deux premières elles sont dans le répertoire, je les posterai dans la semaine. Avec celle-ci que je vais uploader probablement tout à l'heure là, ou demain. Et je les mettrai tous probablement ce week-end quoi. Donc voilà, donc c'était la fin. This is the end. Finalement c'était pas très très long. La première session j'avais dû faire 1h30, puis hier 3h, enfin 2h40 plutôt, puis encore là 1h30, un peu moins d'une heure et demie, donc au final ouais, c'est pas un jeu de quête très très long, pas un grand jeu, mais sympa à faire quand même, ouais. Il y a des petites choses dans le gameplay qui sont assez bizarres, la caméra qui est un peu chelou, bon les enquêtes qui sont, au début on a un petit peu de mal et au final on fait ça très rapidement, on a les espèces de spectres qu'on passe assez rapidement une fois qu'on a compris comment ils fonctionnent, enfin, voilà. Enfin, pas un grand jeu, mais comme je viens de le dire, sympa à faire, voilà. Donc on va pas se quitter là, vu qu'il est même pas 10h. Je vais lancer un second jeu, que je suis en train d'avancer aussi en ce moment. Donc voilà, pas le prochain jeu que je vais faire en entier, parce que c'est pas un jeu histoire ou quoi. Alors je vais attendre que les crédits terminent, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose, un bonus ou quoi que ce soit. Et je vais lancer le second juste après. Non, il n'y a pas de boobs dans ce jeu. C'est une histoire de fantôme. Bah, tu l'as compris, je pense, quand même, avec la fin. Une histoire de meurtre avec des fantômes, en fait. Donc, voilà. Non, c'est pas une histoire très sexy. Il y a même des moments, il y a même des passages qui sont plutôt glauques. En tout cas, il y a certains flashs qui sont franchement glauques. Mais sinon, ça va. Moi, je m'attendais à pire, moi, en fait. Quand je voyais un petit peu les notes qu'il y avait eu dans la presse ou quoi, je me suis dit, ouais, ça va pas être un grand jeu. Au final, c'est pas un grand jeu, mais c'est loin d'être une bouse, quoi. Dans le scénario, l'histoire, franchement, c'est assez sympathique. Puis c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'histoire dans le jeu vidéo, avec des fantômes comme ça, des meurtres de fantômes, avec des histoires de fantômes vengeurs. C'est pas banal, c'est pas courant. Du coup, bah, j'ai plutôt apprécié, en fait. D'après moi, je suis client de ce genre d'action, de ce genre de scénario, donc au final, ça m'a bien plu quand même. Même si dans 3 semaines, j'aurais probablement oublié que j'ai joué à ce jeu. Voilà, donc on arrive à la fin. Appuyez sur Start. Il n'y a pas de bonus ni rien. Non, je voulais pas les crédits. Oula. Donc voilà. Bon, en tout cas, bah, j'ai plutôt bien apprécié ce petit jeu. Donc voilà. This is la fin. This is the end. Allez, on quitte.